entro com um horror secreto neste vasto deserto do mundo. Estas palavras são a abertura de uma carta presente em um famoso romance de Rousseau do século XVIII, onde o personagem escreve à sua bem-amada que vivia longe dele. Estou sozinho na multidão, onde não posso ser nem seu nem de ninguém. Este caos só me oferece uma solidão terrível, onde reina um morno silêncio. Meu coração gostaria de falar. Ele sente que não é escutado. Eu não entendo a língua deste país e ninguém aqui entende a minha. A cidade de Paris, extremamente povoada na época, é vista aos olhos do personagem como um deserto. As famosas conversas dos salões parisienses são para ele como o silêncio. Em meio a todos esses sentimentos suspeitos e dessa confiança enganosa, será que posso procurar luzes e conhecimento? Claro, estou na Cidade Luz e escuto falar muito em filosofia. Simplesmente por trás deste ruído filosófico, das discussões de salão, nada. Para ele, as conversas dos salões não passam de opiniões vagas entre membros de uma mesma tribo. E de uma noite para outra, muda-se de tribo como muda-se de roupa. Nenhuma das certezas às quais ele está acostumado, como em sua relação com a Julie, sua bem-amada, nenhuma das certezas baseadas nos valores fixos se sustentam. Todo mundo muda a toda hora de opinião. Encontramos-nos no império do efêmero. Todo mundo se contradiz a si mesmo continuamente, sem se importar. Todo mundo assume os ares e os tons dos outros sem se importar. Julgue, minha Julie, se tenho razão ao chamar essa multidão de deserto e ao me assustar com a solidão onde só vejo uma vã aparência e sentimentos e verdades que mudam a cada instante e se autodestroem. Até agora vi muitas máscaras. Quando verei os rostos dos homens? Eu quero agarrar essas sombras. Elas me escapam por trás. O real está ausente. Oui, cette description finalement d'un monde qui est à la fois un tout petit monde et qui est le centre du monde et dont la civilisation se répand sur toute l'Europe entière, décrite par cet exilé qui vient d'un pays où règnent des sentiments authentiques qui découvrent ce monde et qui le décrit comme un espace de pur semblant derrière lequel il n'y a même aucun réel. Je veux saisir ces ombres, elles m'échappent et derrière, le réel est absent. C'est une lettre d'un personnage qui est extrêmement dépressif en découvrant cela. Il ne faut pas oublier non plus que devant ce monde, disons, de la modernité absolue qu'est Paris à ses yeux, il a quand même un contre-modèle, celui d'où il vient, qui est ce petit village de Suisse au bord du lac de Genève où se trouve Julie d'Étanges. S'il a dû quitter le château d'Étanges au bord du lac de Genève, c'est parce que le père de Julie, le baron d'Étanges, l'a fichu à la porte à coups de pied au cul, furieux d'apprendre que ce saint preux, un homme du peuple qui servait de précepteur à Mademoiselle d'Étanges, ait osé la séduire et tomber amoureux d'elle et réciproquement. Il vient donc d'un monde qui sans doute est un monde où le réel tient le coup, où on n'est pas au milieu de fantômes, mais où les pères sont des tyrans. On a donc, si on compare le statut du lieu d'où vient l'exilé, le monde ancien, celui qui a disparu complètement à Paris, celui où les pères sont des tyrans, la loi du père est la loi despotique, et qui le conduit dans un monde tout autre, qui est le monde moderne des Lumières, où il n'y a plus de père, plus de référence, il y a ces mélanges, cette horizontalité des rapports dans lequel il s'égare. Vision sinistre des Lumières. Em 1736,
Voltaire publica um poema que provoca um grande escândalo por causa das alusões irreverentes feitas ao nosso primeiro pai, Adão. O poema O Mundano é uma crítica irônica da vida do europeu privilegiado, que recebe o mundo inteiro sob a forma de mercadorias vindas da China, da Índia, das Américas. O poema poderia ser lido como uma alusão à globalização que vivemos hoje. Para o iluminista Voltaire, o mundo se transforma, e o templo da tolerância de então é a bolsa de valores. Voici quelques vers de ce poème que je vous recommande de lire, il est très facile à trouver. Ça commence par un sourire ironique sur la nostalgie du bon vieux temps. Regrettera qui veut le bon vieux temps et l'âge d'or. Cette nostalgie de l'âge d'or dont parle Ovid, pour Voltaire, ça n'est pas un nostalgique, comme Lacan d'ailleurs. Et il continue en disant « Moi, je jouis du présent. L'âge d'or s'est passé, je suis dans le présent. Le superflu, chose très nécessaire, a réuni l'un et l'autre hémisphère. » Voilà la globalisation. Hein ? Réunir l'un et l'autre hémisphère, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, former un globe réuni par quoi ? Par le superflu, pas par le nécessaire. Par le superflu. C'est le superflu qui est devenu nécessaire. L'éloge continue avec, évidemment, un retour par Voltaire à ce paradis décrit par l'Église, par les prêtres, qu'il déteste déjà, qui n'a pas encore appelé l'infâme, mais qu'il déteste suffisamment. Il décrit Adam et Ève au paradis comme deux espèces de clochards, de sans domicile fixe, à moitié nus, crasseux, avec les ongles noirs, etc., qui, il n'ose même pas dire qu'ils font l'amour, qui copulent comme des bêtes sur un tas de foin. Il prend ses libertés. Le poème continue avec une description très détaillée de cette mondialisation, notamment par les produits de la table, et se termine par ces mots, ce vers qui lui aussi est resté aussi célèbre que le superflu, chose très nécessaire. Après s'être moqué du paradis terrestre, il dit « Beaucoup de savants ont recherché où se trouvait le paradis terrestre. On a été le chercher en Arabie, etc. » Dernier vers de Voltaire, « Le paradis terrestre est où je suis. » Voltaire entregou-se a um verdadeiro combate em defesa da ciência e das ideias de Isaac Newton, filósofo, matemático e físico inglês. Em 1738, Voltaire publica Os Elementos da Filosofia de Newton, tornando-se então o grande introdutor dos princípios newtonianos na França e se destacando como representante do movimento das luzes. C'est à ce moment-là où ce que Lacan appellera le sujet de la science est en train de pénétrer les discours philosophiques que, en même temps, on trouve chez un Voltaire cet éloge de cette mondialisation où le superflu est devenu nécessaire. Je rappellerai, puisqu'on est encore dans Voltaire et que j'essaye de situer quelques textes pour le débat des Lumières, que à la même date, quelques temps plus tôt, Voltaire a publié un autre texte qui a été très très discuté et qui lui a tiré beaucoup d'ennuis, qui sont ses lettres philosophiques. Et c'est dans ce texte, puisqu'aussi bien il est question de crise aujourd'hui et de crise financière, c'est dans ce texte qu'il fait un éloge très très enthousiaste de la tolérance en Angleterre. Et il compare, enfin, le lieu pour lui, le cœur de la tolérance, Le temple de la tolérance, c'est la Bourse de Londres. Vous avez un magnifique éloge de la Bourse de Londres
où Voltaire décrit ce lieu à la manière d'un temple, mais pour l'opposer à un temple religieux. À la Bourse de Londres, dit-il, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais vous le retrouverez facilement, le rabbin, le quaker, le catholique, l'athée, le bouddhiste, tout le monde est là parce que, au fond, on se fiche des croyances religieuses des uns et des autres. Il y a l'argent qui circule et l'argent, ça permet de communiquer d'égal à égal. Et il oppose ce commerce de l'argent, on vend des actions, etc., à un autre commerce en négatif qui est le commerce des indulgences. Le pape qui vend des indulgences en disant, ben moi, j'aime infiniment mieux le commerce d'argent que le commerce des âmes. Au moins à la bourse, on ne vous vend pas et on n'achète pas des âmes. Donc, c'est à cette même époque aussi que, disons, ce modèle de la bourse va servir à Voltaire de métaphore pour décrire une société qui devient de plus en plus associée à la diffusion des marchandises. L'affrontement Voltaire-Rousseau là-dessus est évidemment un des enjeux les plus connus de ce débat autour de, disons, la mondialisation, de la globalisation au XVIIIe siècle. Eu gostaria de saber a diferença ou não que você vê entre a modificação, a globalização iniciada nas luzes e a globalização que nós entendemos estarmos iniciando nesse tempo de hoje. Na descrição que você fez no texto de Rousseau, na chegada a Paris, como nos elementos que você levantou para determinar aquela mudança de época, você utilizou a palavra horizontal, você utilizou a palavra quebra da religião, a quebra da autoridade. São termos que nós empregamos hoje em dia para falar sobre um homem desbussolado, para falar sobre essa pessoa que perdeu a referência. Para Lipovetsky, ele vê uma diferença entre aquela modificação no século das luzes e hoje. A diferença é que cai a verticalidade divina, mas entra a verticalidade da razão, das luzes em si, na posição paterna. E que hoje em dia nós estaríamos nessa nova revolução frente à quebra desta razão. Para você, há ou não diferença entre a ruptura das luzes com a ruptura atual ou não? Porque se não houver, nós não temos uma ruptura atual, nós temos uma continuidade das luzes. Je pense évidemment que, d'une certaine manière, il n'y a rien de commun, mais l'infrastructure de ce qu'on peut appeler mondialisation, globalisation au XVIIIe siècle n'a absolument rien à voir. Le monde du XVIIIe siècle n'est pas celui que nous vivons aujourd'hui. De même, on peut faire un rapprochement, je n'ai pas pu le faire, mais je voulais poser la question avec Kant, la traiter avec Lacan, la fameuse question à laquelle répond Kant, qu'est-ce que les Lumières, hein ? Et il répond, les Lumières, c'est ce mouvement, Aufklärung, c'est ce mouvement d'émancipation, de sortie hors de la minorité. Et Kant résume ce mouvement de l'Aufklärung par une devise latine, sapere aude, ose savoir. On le traduit comme ça, oser savoir. Je crois que cette devise des Lumières, ose savoir, elle a encore toute sa puissance d'interrogation aujourd'hui, y compris pour un psychanalyste. Cela dit, bon, sur la verticalité de la raison, bien sûr, là je suis tout à fait d'accord avec toi, le culte de la raison, la déesse raison, évidemment, elle vient à la place du dieu mort et elle le remplace et elle est tout aussi terrible que lui.